Et vous, on commence. Hé, Dad, t'as trouvé un trésor? Pas encore. Il creuse et il trouve jamais rien. C'est un grenier. Dad, le dîner va être froid. J'arrive. Encore un, et deux, et trois. Ce bouton de manchette appartenait à ton père. Je l'ai toujours entendu dire que c'était son porte-bonheur. Ha ! Ils vont voir que je suis un grenier. Bien sûr que non. Bonne nuit, Dad. Non, attends, t'as oublié de regarder s'il y avait des monstres. Oh, où avais-je la tête ? Pas de monstres ici. Ni là. Là non plus. Pas de monstre à l'horizon. Papa, lui, il avait jamais peur de rien, hein, grand-mère? Bien sûr que si, mais il avait le courage d'affronter ses peurs. Ah bon? Mais c'était quoi qui lui faisait peur? Que son petit garçon ne se couche pas à l'heure. Allons, endors-toi, mon chéri, fais de beaux rêves. Tu deviendras le plus grand chasseur de trésors de tous les temps. Descendez-moi cet imbécile avant qu'il se fasse mal, qu'il me fasse un procès et que ça me coûte une fortune. Jeff, salut bonhomme, je suis là, oui. C'est pour qui ce gars? Tac, dernier avertissement. Arrêtez vos pitreries. Mais il y a peut-être des trésors enfouis là-dessous. Pour la dernière fois, vous êtes maçon pour archéologue. Mettez-vous ça dans le crâne.
Et je veux plus voir cette vermine sur pattes sur mon chantier. C'est pas une vermine sur pattes. Jeff est incroyable. Il a prédit les 4 derniers numéros du tirage de la loterie du Nouvel An. Qu'est-ce que vous dites de ça? Avouez que c'est stupéfiant, non? Vous aimez la loterie? Vous allez avoir du temps pour jouer. Vous êtes viré! Dad, mon pote, sérieux, il faut que t'arrêtes. C'est la 7e fois que tu te fais renvoyer d'un chantier en un an. C'est pas grave, je vais pas me faire virer éternellement. Mais comment tu vas payer ton loyer? La facture de gaz, et puis les cookies de ton chien. C'est bon, vous en faites pas pour moi. Cette fois, c'est la bonne, je sens que je tiens ma fortune entre mes mains. Ciao, les gars. Bonjour, Dad. Comment ça va, Melinda? Waouh, Max Mordone! Je suis son plus grand fan, vous savez. Ça alors? Le professeur Humbert est là? J'aurai une pièce rare à faire authentifier. Oui, il est dans son bureau. Donne-lui ça et dis-lui. C'est urgent. Urgent, ouais. Tu m'attends gentiment ici. C'est pas un zombie, c'est qu'une momie. Et une momie, c'est mort. Thaddeus, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Tu as encore fait une nouvelle découverte? La découverte, trouvée sur le chantier de la nouvelle station de métro. La première d'une longue série qui fera de moi le nouveau Max Mordone. S'il te plaît, ne me parle pas de ce clown. Avec lui, l'archéologie ressemble à un numéro de cirque. Fais-moi voir. La brocante n'est pas vraiment mon domaine, mais je peux toujours y jeter un œil. J'ai lu que ça valait une fortune. Oh, la super panoplie d'archéologues que je vais acheter avec ça! Je regrette, mais il s'agit seulement d'une réplique. Quoi? Vous êtes sûr? Édition limitée de 1999. Ne te laisse pas abattre. Dans 1000 ans, elle aura une grande valeur. Comme le disait Albert Einstein, le temps change la perception des choses. Mon garçon, je suis sûr qu'un jour tu feras une grande découverte. Ne te laisse pas décourager. Tu as déjà entendu? Va plus loin. Cherche encore tant que brûlera la flamme. C'est de Albert Einstein, ça aussi? Non, c'est de Céline Dion, mais ça colle parfaitement, non? C'est gentil, professeur, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est une fausse bouteille de coca, un fragment de sol lunaire en carton et un magnifique vase étrusque made in China. Avec ça, je risque pas d'aller bien loin. Ah, au fait, j'oubliais. C'est urgent. Lavrov? Paititi! Ce vieux fou de Lavrov a enfin trouvé Paititi! Paititi? Je n'arrive pas à le croire, il a réussi! Cela fait plus de 30 ans que j'attends cet instant, Thaddeus! Eh ben, vous êtes patient! C'est une clé. Ou plutôt, la moitié d'une clé. Et voilà qu'aujourd'hui, après 30 ans de recherche, le professeur Lavrov a enfin découvert l'autre moitié! C'est pour ça qu'il me demande de le rejoindre au Pérou! Ce serait pas plus simple de l'envoyer par FedEx? Thaddeus, c'est la clé qui conduit à la cité d'or de Paititi, la plus grande des découvertes depuis le tombeau de Toutankhamon. C'est vrai? C'est dément! Hein? Quoi? Quoi? Mon avion décolle aujourd'hui. Départ 19h, c'est-à-dire que dans 2 heures, je n'y serai jamais à temps! Soyez tranquille, professeur. Dad Stones à votre service. Alors c'est quoi l'histoire de Paititi? Eh bien, Thaddeus, si on en croit la légende, tout a commencé il y a 500 ans, quand les Incas comprirent que les Espagnols voulaient s'emparer de leur or. C'est alors qu'ils implorèrent Mère Nature de venir à leur secours. Celle-ci leur dit de rassembler tout leur or et de le déposer en un lieu secret, Paititi. C'est là qu'ils dissimulèrent leur trésor. En échange de quoi, Mère Nature leur offrit une statuette magique, l'idole d'or de Paititi, qui procure la vie éternelle à quiconque s'engage à veiller sur elle. Et c'est ainsi que, selon la croyance, le peuple de Paititi vivrait toujours aujourd'hui au sein de la cité perdue. Vous dites qu'ils sont toujours vivants? Voyons, ce n'est qu'une légende, Thaddeus. Mais les fragments de tablettes prouvent que la cité, elle, est bien réelle. Vite! Il va bientôt décoller! Tiens, je te le donne. En souvenir, ce chapeau a appartenu à Indiana Jones. Indiana Jones? Je connais pas, mais c'est cool, merci. Au revoir! Bon voyage et bonne chance! Wow. Comment tu trouves, Jeff? Non, non, lâche ça! Lâche ça! Professeur!
peur. Vite, un médecin. Rien de cassé, professeur? Ça va. Donne-moi mes cachets, ça me remettra d'aplomb. Cachets, vos cachets, oui. Bleh. Merci, Tadeusz, c'est gentil. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans mes cachets bleus. Vos cachets bleus? Top forme. Bonne nuit. Ah. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux. Rien ne pourra m'empêcher de monter à bord de cet avion. Professeur! Ça y est, j'ai identifié la cible. Il a la tablette avec lui. Je vous transfère sa photo. Parfait. Je vais prévenir le poste. Poursuivez comme prévu. Chef, on vient d'accéder à la chambre principale. Oh, vous êtes un ange. Il va se remettre, soyez tranquille. Nous allons l'emmener à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Très bien, je viens avec lui. Il a juste besoin de quelques jours de repos, vous n'avez rien à craindre. Allez prendre votre avion, professeur. Je m'occuperai bien de votre ami. De la planète. Des trésors attendant d'être découverts pour nous éclairer sur l'histoire de l'humanité. Des trésors révélés au monde grâce au talent d'un homme hors pair, Sir Maximilian Mordon, probablement le plus grand explorateur de notre temps. Max Mordon, à votre service. Max Mordon, à votre service. Le professeur Imbert dira ce qu'il voudra, mais Max Mordon, c'est de la bombe. Ce programme est sponsorisé par le cookie trop riche, trop miam, trop bon pour la santé, le top des cookies, super cookie. Non, Jeff, stop, ça se mange pas. Non. Encore un peu de café, professeur? Oh, ah. Volontiers. Professeur Lavrov? Professeur Lavrov, ravi de vous rencontrer. Pareil pour moi, professeur Humbert. Oh, en fait, je suis pas le professeur Humbert. Moi non plus, je suis pas le professeur Lavrov, c'est génial. Je suis juste venu vous prendre, enfin, je vais dire le professeur Humbert. Le professeur Humbert a préféré m'envoyer à sa place. Je m'appelle Tad Stones. Je veux dire, professeur Stones. Je vais bien m'occuper de vous, professeur Stones. Et à ce sujet, avez-vous besoin de quoi que ce soit? Non, ça ira, merci. Faites-vous plaisir, mon ami. Promotion sur Freddy Market. Pour tout achat réalisé dans les 2 minutes, vous repartez ça sans coût supplémentaire avec une balance haute technologie ou un gel anticellulite à base de bave de baleine. Et tout ça, c'est cadeau, c'est offert, c'est gratuit. Aucun de ces articles ne vous intéresse, no problema. Un petit effort, boss, j'ai une famille à nourrir. D'accord, je vais prendre ça. Enlevez-le, exécution. Elle soit excellente. Les meilleurs grappins suisses made in China. Il est garanti à vie. Des milliers d'usages différents. Des milliers? Genre quoi? Et c'est là toute la magie de cet article. C'est à vous de le découvrir tout seul. Tenez, voilà la patronne qui arrive. C'est le professeur. Entre ces deux types, ils sont arrivés, ils l'ont embarqué. C'est pas possible, ils ont kidnappé le professeur Humbert. Oui, enfin non, c'est pas vraiment le professeur Humbert. Gentil Toto, poussez. La tablette Chimo, c'est le sac du professeur. Je vous explique, patron, en fait, les... Vite, Freddy, la voiture. Oui, mais je vous dis que... Discutez pas, on peut pas les laisser s'échapper. Freddy, vite. Vous ne kidnappez pas le bon touriste, je n'ai pas d'argent, j'ai plus de travail. Silence. Donnez-moi la tablette. Donnez quelle tablette? Nous savons que vous l'avez, professeur. Ok, alors, un, je suis pas professeur, je suis maçon. Deux, votre tablette. Moi, je l'ai pas. Et trois, je sais où elle est. Rattrapez-les, Freddy, allez plus vite! Mais vous voulez nous tuer tous les deux? Peut-on mourir? Très bien, combien vous voulez? $200 et je m'accroche à cette voiture comme mon ex-femme à vos comptes d'épargne. Je vous promets, je suis pas le professeur Humbert. Ah, ça, je peux très facilement vous l'expliquer. Alors pour ça aussi, j'ai une excellente explication.
silicone carné, jeter un œil à mon passeport. Et... Professeur Humbert. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début, patronne. Je m'appelle Stones. Tad Stones. Professeur Stones. Humbert m'a envoyé à sa place. Ah oui, c'est curieux. Il n'a pas parlé de vous une seule fois. Tout est allé très vite. Et vous? Vous êtes qui, vous? Je suis Sarah Lavroff. Le professeur Lavroff est mon père. Depuis quand vous travaillez avec le professeur Humbert? Pas très longtemps. Je suis nouveau. Oh, génial. Il nous envoie un bleu. Peut-être, oui, mais j'ai fait mes premières fouilles à l'âge de 5 ans. Franchement, vous avez tout sauf une tête d'archéologue. Oui, c'est parce que je suis un homme d'action. Voyez-vous ça? James Bond est avec nous. Dites, c'est normal ce genre de comité d'accueil? Qu'est-ce qu'il voulait, ce type? De toute évidence, ils cherchaient la tablette Timon. S'ils savent que vous l'avez, vous courez un grand danger. Ah, ça ira. Vous croyez qu'ils me font peur? Jeff, arrête! Oh, Seigneur! Oh, c'est rien. Vous en faites pas, ma chambre est à peu près dans le même état. Ne dites pas de bêtises, on nous a cambriolés. Jeff! Jeff, reviens! Bernardo! Donne-moi ça! Bernardo, qu'est-ce que tu fais ici? Tiens, on échange! Super cookie! Qu'est-ce que c'est? Ma chère enfant, je te confie ceci. Je pars au Machu Picchu. Ne la laisse pas tomber entre de mauvaises mains. Tad, apportez votre sac. Oui, je l'apporte. Hé, hey, c'est pas là. L'autre moitié de la tablette. Qu'est-ce que ça dit? Je n'en sais rien. C'est dans la langue des Timon. Le professeur Humbert et mon père sont les seuls au monde à pouvoir la déchiffrer. Bernardo, il dit qu'il se rend au Machu Picchu. Pourquoi faire? Crache le morceau! Allez, Coco, parle! Il est muet et il déteste qu'on l'appelle Coco. Il trouve ça vexant. Eh ben, on est servi. On a un perroquet muet et en plus, il est susceptible. Bernardo, je t'ai posé une question. Il doit faire un régime? Il a eu une crise cardiaque? Oh, c'est tout fait avec un orteplé, une cacahuète, une boule de poil. Oh, il est poursuivi par quelqu'un! Par qui? Qui le poursuit, Bernardo? Hé, c'est le silicone carné, celui qui m'a kidnappé. Nous devons agir, et vite. Vous allez faire quoi? Appeler la police? Et leur dire quoi? Que mon père a envoyé un perroquet muet me dire qu'il était en danger? Non, je pars pour le Machu Picchu. Waouh, ça pourrait être sacrément dangereux. Vous comptez vraiment y aller seul? Vous proposez de m'accompagner, professeur Stones? Ah, vous accompagner. Il faudrait vraiment que j'ai une bonne raison de... On part quand? Oh, laissez-moi vous aider. C'est gentil. Il n'y a pas de quoi. À partir de maintenant, je vous suis dévoué. Dévoué corps et... Ah! Qu'est-ce que vous faites là? J'ai promis à son père de toujours veiller sur elle. Et puis je suis payé double quand je suis en déplacement. Vous le savez, amigo. C'est une famille à nourrir. Aïe! Quelle heure est-il? Madre de Dios! Et voilà, j'ai manqué le nouvel épisode de ma telenovela préférée. La passion secrète d'Esmeralda. Vous survivrez. Si, mais est-ce qu'Esmeralda va survivre à la grève des cerveaux qu'elle a subie pour oublier Gabriel qui lui a brisé le cœur? Vous cherchez quelque chose?
J'essaie de comprendre la signification des symboles. Le professeur Lavrov a passé sa vie à chercher cette tablette. Pourquoi vous dites le professeur quand vous parlez de votre père ? C'est un archéologue, et de loin le meilleur. Il ne vit que pour ça. Il travaille jour et nuit. Ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour son rôle de père. Chef, ils ont la tablette. Excellent. Ce serait formidable s'il découvrait la cité. Ouf ! Mademoiselle Lavrov, quelle délicieuse surprise de vous voir ici. Excusez-moi, on se connaît ? C'est lui, le chili. Je vous prie de me donner la tablette. Jamais. Je l'ai. Je vous remercie. Non ! Vous m'échapperez pas ! Non ! Oui, bien joué, Bernardo ! Attrapez le volatile ! C'est les soldes, chez Freddy ! Prenez-en deux, payez-en trois ! Hé ! Hey, y'en a qui essaient de gagner leur vie, honnêtement ! Bernardo, Dad ! Attention ! Elle est sur le toit ! On y va, suivez-moi ! J'ai pas fait exprès ! Dad, est-ce que ça va ? Tout va bien, allez chercher la tablette ! Tu crois aller comme ça? Là où? Je te fais courte échelle. On a la tablette. Et les véhicules sont en place. Mission accomplie. On lève le camp. Odysseus? Qu'est-ce qui te fait rire, Minus? On est vivant. Oui. Et c'est quoi cette odeur? Je vous jure que c'est pas moi. Oh. Le dernier wagon du train. Attrapez-les. Il me faut cette tablette. C'est quoi exactement, Odysseus? Ils cherchent des trésors dans le monde entier. Ils sont prêts à mentir, à voler ou même à tuer si nécessaire. Après quoi, ils revendent leur butin aux plus offrants. Ils se fichent de l'histoire ou de la culture. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent et le pouvoir. Vermine de pilleur! S'ils découvrent Païtiti, et si on se fie à la légende de l'idole d'or, ils deviendront immortels. Ça va pas se passer comme ça. On va découvrir Païtiti avant eux. Hé, hey, amigos, on a de la compagnie. Je crois qu'on les a semés. Oui, et on a aucune idée d'où on est. Tranquille, patron. Ces magnifiques GPS et son kit la main intégrée vous conduira où vous voudrez. Pour un prix raisonnable. Oh, pitié, Freddy. Mais j'ai une famille à nourrir. Aïe. Hein? Hein? Ben quoi? C'est de la famille aussi, c'est ma petite sœur. Ok, Machu Picchu. C'est parti, mes amis. You're insecure. Don't know what for. You turn heads when you walk through the door. Don't need makeup. You
Machu Picchu. Waouh, c'est incroyable. Allons trouver le professeur. Tout bien réfléchi, je vais aller au village chercher des grignotouilles. Et vous, vous allez chercher les professeurs. Entendu, on se retrouve tout à l'heure. Allons-y, Tad. Oh non, on arrive trop tard. Les gens d'Odysseus sont passés avant nous. Ils ont dû enlever le professeur. On le retrouvera, Sarah. Ne vous en faites pas. Merci, Tad, c'est gentil. Cherchons un indice, n'importe quoi. Il faut qu'on découvre où ils ont pu l'emmener. Je rêve. C'est vous et Max Mordon? Vous connaissez Max Mordon? Oui, je crois qu'on peut dire que je suis sa plus grande fan. Oh non, son plus grand fan, c'est moi. Non, je ne crois pas, non? Vous pouvez m'aider à chercher? Oui, désolé. Mais tenez, j'ai une photo de lui, même qu'elle est dédicacée. Moi et Jeff, on a dû faire la queue pendant 25 heures rien que pour la voir. Alors, c'est qui le plus grand fan? C'est moi ou c'est moi? Qui c'est, Crad? Il a mal compris mon nom, il y avait du monde. On s'en fiche. Comment vous connaissez Max Mordon? C'était un des étudiants du professeur. C'est lui, là, votre père? À côté, ça doit être votre mère, j'imagine. Elle est très belle. Elle était très belle. Elle n'est plus de ce monde. Il ne me reste plus que mon père. Oh, je suis vraiment navrée. Hé, une seconde, la photo! Elle a été prise dans le désert de Nazca. Mon père a toujours dit que les ruines dans le désert abritaient la carte qui conduisait à Paititi, mais qu'il lui manquait la clé. La clé, nous l'avons! C'est la tablette, la clé! C'est pour ça qu'Odysseus veut absolument la voir. Ok, prochaine étape, le désert de Nazca. Et maintenant pour tout achat de Rap Dominator, dans les deux prochaines minutes, la livraison gratuite sur le deuxième foyer d'offre et des traitements, offre non contractuelle, sans obligation de la part du vendeur, selon les modalités de l'opération spéciale ou à condition magasin. Freddy! C'est la fête, c'est les jours de marché! Regardez, j'ai des hamburgers pour tout le monde! Qu'est-ce qu'il y a, Bernardo? Encore les types d'Odysseus! Comment ils nous ont retrouvés? On décolle! Dispersez-vous, qu'on me les ramène vivants. Faites sortir les faucons noirs. Pigeon vol! Freddy, excuse-moi, mais on est obligé de regarder là. Bien sûr qu'on est obligé. Aujourd'hui, Esmeralda va découvrir un grand secret, la véritable identité de sa belle-mère, Anna Karina. Ça y est, elle va le dire. Esmeralda, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours cru que j'étais ta mère. Mais en réalité... Je suis ton père. Oh, Padre de Dios! Je crois que j'ai jamais vu un épisode aussi génial! C'est prêt, à table. On passe la montagne et on devrait arriver sur le désert de Nazca. J'ai vraiment hâte de rencontrer votre père. Vous devez être super fière de lui. Être la fille d'un explorateur, c'est pas évident. Ils accordent souvent plus d'attention à leurs recherches qu'aux personnes qui les aiment. Quand j'étais petite, mon père n'était pratiquement jamais là. J'ai à peine connu mes parents. Ils ont eu un accident de voiture quand j'avais 5 ans. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. C'est mon porte-bonheur. Il appartenait à mon père. Je me dis parfois qu'il n'a pas disparu totalement, qu'il est là, au-dessus, et qu'il veille sur moi. Hey, t'as vu ça, Jeff? Le désert de Nazca.
Ça va pas, bonhomme? Dites, je crois que Jeff est malade. C'est quoi ça? Hein? Eh ben, bonhomme, qu'est-ce que t'as? Peut-être qu'il a faim. Là, je crois que c'est grave. Il réagit même pas au super cookie. Hein? Patron, hein? On a quand même petit problème. Qu'est-ce que t'as avalé, Jeff? Il a avalé un de mes tas. C'est toi! Ça y est, je t'ai enfin retrouvé! Tu n'aurais pas dû venir, mon enfant! Si je suis là, c'est pour te sauver? Ah oui? Vraiment? Pour quelqu'un qui vient te sauver, tu as l'air aussi prisonnière que moi! C'est tout ce que tu trouves à dire! J'ai fait tout le chemin depuis Cusco, rien que pour toi! Moi aussi? Et vous êtes qui, vous? Sarah! Max, qu'est-ce que tu fais là? Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va, rassure-toi. Ces pilleurs de tombes m'ont kidnappé parce qu'ils savent que je suis la crème des experts en momies et sarcophages. Max Mordone, je le crois pas, c'est vraiment vous? Il pouvait enlever n'importe qui, il a fallu qu'il kidnappe ce clown. Hé, ça suffit. Oh, ma tourterelle, si tu savais combien je suis heureux de te voir. Et moi donc? Et moi donc aussi, je suis votre plus grand... deuxième plus grand fan. Et je suis abonné au National Pétrographique depuis l'âge de 5 ans. Je n'ai pas saisi votre nom. Crad. Tad Stones. Professeur Stones, envoyé par le professeur Humbert. Professeur? Sans rire? Hey amigos, les mitraillettes! Mais qu'est-ce que c'est, cet vieux modèle? Pas de problème, mon ami. Laissez-moi vous présenter l'arme du futur. La Massacro Killer 3000, 15 canons, 3 visées laser, double détente, et tout ça pour seulement la maudite santé. Aïe, 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 c'est les dents d'autres poulettes, si vous voulez. Ma colombe, s'il te plaît, donne-leur ce qu'ils demandent, et je suis sûr qu'ils louent la chambre. Mademoiselle Lavrov, puis-je avoir ta blette, s'il vous plaît? Non, dis pas que tu l'as apportée. Elle l'a apportée. On n'est vraiment pas aidé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le seul moyen de trouver le chemin qui mène à Paititi. La tablette est la clé. J'ai passé ma vie entière à attendre cet instant. Et le trésor va finir entre les sales pattes de ces pieds. Allons, professeur. C'est à vous. Jamais. Je préfère mourir. Ça ne vous mènera nulle part. C'est bon, vous avez gagné. Laissez-la. Du haut du pic noir, le puma aperçoit l'étoile rouge. Quand vient la seconde lune de pluie, l'eau glisse sur la peau de l'anaconda. Mais ne vous fiez pas à la pierre, car il arrive parfois que le doux poil du lama soit plus fort. L'étoile rouge, c'est Mars, ça va de soi. La deuxième lune de pluie, c'est avril, période à laquelle Mars se trouve dans le cadran nord-est. Il y a une formation de roches basaltiques non loin d'ici. Mais ne vous fiez pas à la pierre. Bon, une divagation d'un vieux chaman. C'est noté, on part maintenant. J'amène Mordone et professeur avec moi. Fille, reste ici comme assurance. Si papa refuse de gentiment coopérer, elle meurt. Est-ce clair? Je vous défends de toucher un seul de ses cheveux. Pardon, trop de télé. Faites bien attention à vous deux. Max Mordone, à votre service. Et confiance, mon canari. Des mal. Ah.
me pardonnerait s'il arrive quoi que ce soit à mon père. Si je suis devenue archéologue, c'était pour être plus proche de lui. Je vais nous sortir de là. Faites-moi confiance. Ne vous fiez pas à la pierre, car il arrive parfois que le doux poil du lama soit plus fort. Mon père n'est pas du genre à ignorer ce genre de phrase. Qu'est-ce qu'il a essayé de me dire ? Freddy, n'y pensez même pas ! Quoi ? Jamais de la vie, patronne, je suis un homme d'affaires, pas un voleur. Et ça, c'est une sacrée affaire. Vous avez vu ça ? Il y a de l'air qui passe. À travers le mur ? C'est pas un mur, c'est une porte. Faites-moi confiance, je sais très bien de quoi je parle. C'était ça ! Ne vous fiez pas à la pierre, en fait, la tablette n'était que la clé qui ouvre cette porte. Aidez-moi ! Freddy, ça voudrait rien de venir nous aider ! Et tout de suite, dès qu'elles auraient fini l'inventaire. Ne vous fiez pas à la pierre, car il arrive parfois que le doux poil du lama soit plus fort. C'est de la peau de lama. La voilà, la véritable carte qui mène à Paititi. Mon père l'a compris, alors il n'a rien dit. Mais alors si Odysseus le sait pas? Ils vont faire des fouilles au mauvais endroit. Bien joué, professeur. Ça va, mon chien? Comment t'es arrivé là? Attends un peu, si t'as réussi à entrer, ça veut forcément dire qu'on peut aussi sortir. C'est par là? Oh! Oui, je suis sûr qu'on ne craint rien. C'est une blague. Le serpent et l'arbre, le serpent et l'arbre, la rivière, c'est ça le serpent. Étape 2, restez calme, pas de panique. La panique mène à l'hystérique qui mène au désespoir. Et le désespoir n'a jamais mené nulle part. Freddy, on n'a pas le temps de philosopher, trouvez vite quelque chose. Étape 3, gardez un esprit ouvert. C'est nos têtes qui seront bientôt ouvertes si on ne se dépêche pas. Hé, hey, attendez, je crois que Jeff a trouvé. La sortie. Les spirales symbolisent l'air, le vent, c'est ça. Concentre-toi, Jeff. Étape 1, reste calme. Non, ça c'est l'étape 2. D'accord, d'accord, étape 2. Mais pour pouvoir appliquer l'étape 2, il faut d'abord passer par l'étape 1. C'était quoi déjà l'étape 1? Je regarde. Avec toute cette pression, moi j'ai perdu ma base. L'arbre, c'est la terre, la rivière, c'est l'eau. La terre, l'eau, le vent et le feu, la mer, nature. Saurais tout mettre un marque-passe. Laissez tomber, Jeff, il faut nous sortir de là. Les toutous, il a trouvé la porte. Il vaudrait mieux. Oui, c'est bien, mon chien. Étape 4, si vous trouvez la sortie, sortez. Mais oui, c'est ça. Tous les symboles renvoient à la jungle alors qu'Odysseus va creuser dans le désert. Je sais à quel endroit se trouve Paititi. Vite, ça, il faut sortir d'ici. Non. Bravo, mon Jeff. Tu nous as sauvés, mon chien. T'es un vrai champion. Oh, Bernardo, tu es là. Et tu as encore toutes tes plumes. Toi aussi, tu craques. À vous. Ok, étape 5. Si vous parvenez à vous échapper, lâchez tout et rentrez chez vous. Quoi? Quoi? Si, j'en ai ras les ponchos. On est loin d'avoir fini. Les gens d'Odysseus ne doivent surtout pas s'emparer de l'idole d'or. Eh, s'il y a moyen d'avoir un supplément pour ces conditions de travail exécrables. Ça veut dire non? Il va falloir faire vite. Koponen finira bien par réaliser qu'il creuse au mauvais endroit. Freddy, vous savez conduire une pelleteuse? $35 de l'heure, plus 20 centimes du kilomètre et sans pas compter besoin de lui. Je suis un vrai pro. On embarque! Où est-ce que vous avez appris? Oh, sur le chantier du métro. Le chantier du métro? En fait, Sarah, la vérité, c'est que... Vous avez travaillé sur le projet de fouille du Metropolitan Museum? Hein?
Waouh, là, ça m'impressionne. Il n'engage que les meilleurs. Oui, oui, les meilleurs, si vous le dites. Maman, je veux dire, papa, papa, je t'en prie, ne meurs pas. Esmeralda, je t'en supplie, sois forte. T'avais raison, Freddy, cette série est géniale. Avant de mourir, j'ai quelque chose. On va passer la nuit ici. Moi, j'ai préféré continuer. Je suis sûre que ton père va bien. Il faut pas t'inquiéter. Ça me rassure que Max soit avec lui. Tu dois être folle de joie à l'idée d'épouser Max Mordone. Je pense qu'il n'y a pas une femme au monde qui rêverait pas d'être à ta place. Oui, c'est quelqu'un de bien. Il est drôle, il est beau gosse, il est célèbre. Mais il pense qu'au travail. Tout comme mon père. Oh, je suis persuadée qu'il se rendra compte que la célébrité et tout le reste, ça suffit pas à rendre heureux si... si on n'a pas quelqu'un avec qui le partager. J'espère que t'as raison. Et toi, Tad, est-ce que tu es heureux? Et comment? Je fais ce dont j'ai toujours rêvé, être archéologue. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Je trouve que c'est une chouette attitude. La plupart des archéologues ne sont heureux que le jour où ils font une grande découverte, ce qui leur arrive une fois dans leur vie, et encore s'ils sont vraiment chanceux. Mais toi, tu es différent. C'est vraiment ce que tu es? Ah, c'est moi? Enfin, je crois. On ferait mieux de se reposer. On a une dure journée qui nous attend demain. Sarah, il faut que je te dise une chose. En vérité, je suis pas un... Qu'est-ce que tu disais? Rien d'important. Bonne nuit. Et toi, le crétin? Je crois qu'on vous demande. Je serai vous, j'irai le voir avant qu'il vous découpe en rondelles. C'est le bon endroit, vous en êtes certain? Évidemment, voyons. Et ne m'appelez pas le crétin, je déteste les surnoms. J'ai essayé de rendre votre petit numéro plus crédible. Et si Lavrov vous avait raconté des histoires? Et non, pas à moi. C'est comme si j'étais déjà son gendre. Oui, justement. Il n'a pas l'air de vous apprécier beaucoup. Vous êtes sûr qu'il ne vous soupçonne pas? Mais voyons, c'est impossible. Je passe à la télé. Si je me fie au hiéroglyphe sur la carte, ça y est, nous y sommes. Comment ça, ça y est? Il n'y a que des plaines vertes ici. Cela fait 500 ans que personne n'a mis les pieds sur ce site. La cité perdue doit être enfouie sous la végétation. J'espère au moins qu'on capte bien dans cette cité, parce que j'ai pas envie de rater un épisode. On pourrait peut-être se séparer pour la chercher. Je suis de ton avis. Jeff, allez, viens. Hein? Génial. Si en plus les clients, ils s'en vont... C'est pas le moment, Jeff. Allez, on cherche encore. Non, sans blague. Freddy! Freddy, vite! Olé, señor! Qu'est-ce que c'est que... Ah.
Ça va faire 24 heures qu'on creuse et toujours rien. Le vieux schnock a cru qu'il pouvait se payer notre tête. Ça suffit, vous allez le faire parler. Maintenant! Tad, regarde! C'est le symbole de Paititi. Il y a du vide, ça sonne creux. Et j'ai pas l'intention de te lâcher. Fini de jouer, professeur. La cité perdue ne peut pas être ici. Il a l'air sacrément profond, ce puits. Oh, pardon. 1, 2, 3, 4. Onze, 12, 13. Waouh, jamais vu un puits aussi profond. Et c'est quoi, là? Un tremblement de terre? Ah, j'aurais dû écouter mon horoscope et cette petite voix ce matin qui me disait « Reste au sol dans ton petit lit !» Là, je crois que ça sent pas bon pour nous. Ça... La cité existe vraiment, j'ai déchiffré la carte. Nous avons trouvé l'entrée. Allons-y, préparez matériel. Dans 5 minutes, je veux descendre dans le puits. Oh, ma caille en sucre, Dieu merci, tu n'as rien. J'étais tellement inquiet. Allons-y, équipe 2, descendez et dégagez secteur. Équipe 1, amenez la fille et professeur. Équipe 4, occupez-vous de ces idiots qu'on les ligote. Tout ira bien, il faut pas t'en faire. Ça va, pointez pas ce truc sur moi, je sais marcher toute seule. Est-ce que vous êtes stupide? Pas question de laisser vivre ces deux-là. Il n'y a aucun danger. Le Péruvien est magasin ambulant et l'autre avec chapeau est maçon. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Mais les maçons, vous dites? Je me fiche de savoir ce qu'ils font dans la vie. S'ils nous échappaient, cela pourrait ruiner tout notre plan. Max? J'arrive, mon perroquet blanc. Quelle porte? Ah oui, c'est vrai. Question intéressante. Je dirais que par rapport à la position des deux entrées, si on se fie au calendrier solaire, voyons... Même le dernier des idiots saurait reconnaître les signes Inca. La gauche, Champollion. Attendez, avant d'être exécuté, est-ce qu'on a le droit à une dernière volonté? Un super cookie! Thank you.
Ça doit faire mal. Hasta la vista, baby! Et maintenant, tout le monde au temple! Ah non, moi je descends pas. Les anciens, ils disent qu'il se passe des choses terribles dans ces temples. Ok, restez ici avec Jeff et Bernardo. C'est une excellente idée, boss! Au revoir et bonne chance! Allez bien, Coco. Je vais te plumer au poker. Aide-moi, papa. C'est quoi ce bruit? C'est la voix des esprits venus de l'au-delà. Ils se dressent contre la profanation de leur cité. Dad! Ne vous approchez pas de moi! Est-ce qu'il faut descendre? Bien sûr! Max! Je veux dire, bien sûr que non! Bien sûr que oui! Il est avec eux, Sarah! Il a ordonné à ces gorilles de nous tuer, Freddy et moi! Tu ne vas quand même pas le croire. Cet homme ment, rien de ce qu'il dit n'est vrai. Je ne mens pas! Je l'ai vu! Je vous ai vu donner l'ordre! Ah, vous ne mentez pas. Alors vous ne mentiez pas non plus à Sarah quand vous lui avez dit que vous étiez archéologue. Tad, enfin de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien quoi, professeur Stones? Dites à Sarah ce que vous êtes réellement! Cet homme est en fait un maçon, un simple ouvrier! Ce n'est personne. Comment? Tad, c'est vrai ce qu'il dit? D'accord, oui, c'est vrai. Je démentis, je suis qu'un imposteur. Mais il faut que tu saches que je... Fin de la discussion, Crad. C'est bon, chef, on peut tuer maintenant. Chef? Max, c'est quoi cette histoire? On n'a pas de temps à perdre avec ça, Max. Ça va. Sarah, tu dois comprendre. Si je le fais, c'est pour moi. Je veux dire, c'est pour nous. Je pense à notre avenir. Tu as kidnappé mon père? J'étais obligé. Mais je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Tu as donné l'ordre de tuer Freddy et Tad? Oui, alors évidemment, ça, je dois pouvoir l'expliquer. Ah, ha, 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 dans le mille! Désolé, continue. Ça, je te jure que tu vas le regretter. Kopanen! La seule chose que je regrette, c'est d'avoir été assez idiote pour vouloir t'épouser. Et moi, que vous ayez pu être mon idole! Vous êtes qu'un escroc! Ferme ton bec, Frinat! En avant! Comment j'ai pu être aveugle à ce point? Comment j'ai pu tomber amoureuse d'un homme pareil? T'y es pour rien, ce type est un manipulateur. Moi aussi, je me suis fait avoir. Tu peux parler, toi non plus, t'as pas arrêté de me mentir depuis le départ. Je te demande pardon, Sarah. J'ai essayé de te dire la vérité plusieurs fois, seulement j'avais peur que... Te fatigue pas! Tu m'as menti, point final. J'avais confiance en toi, vraiment confiance. Thank you.
me tirer? Bien sûr que oui. Mais avant, réponds-moi, est-ce qu'il y a une seule chose que tu m'aies dite qui était vraie? J'étais bien le plus grand fan de Max Mordone. C'est forcément la momie qui a fait ce coup-là. Les momies, ça se vante. C'est vrai, j'en ai vu une. Oh, dis pas n'importe quoi, une momie qui est vivante, c'est pas une momie. C'est totalement contradictoire. Ok, vivante ou pas vivante, en tout cas, elles sont là et elles sont pas très contentes. Tu t'en es bien sortie, Crad. Sale vautour. On aurait pu mourir, Tad et moi, t'en avais rien à faire. En toute franchise, chérie, ton père est le seul dont j'ai vraiment besoin. Après vous. Les Incas s'en servaient pour comptabiliser leurs biens. Kipu blanc pour l'argent, jaune pour l'or, marron pour le bronze. Vous ne me regardez pas avec cet air-là. Je ne suis pas aussi ignare que vous le pensez. Et on fait quoi maintenant? La porte, là-bas. C'est sûrement l'entrée de la chambre qui abrite l'idole. Il doit suffire de tirer sur le bon Kipu. Professeur, montrez-nous votre science. Vous rêvez comme si j'allais vous le dire à vous. Oh, comme vous voudrez. Au fond, ce n'est pas non plus sorcier. Le Kipu jaune, c'est l'or. Toute la chambre n'est qu'une immense trappe! Sarah, professeur, contre le mur, vite! Mais il n'a aucune idée de ce qu'il dit! Espèce de crétin! Copenhague! Tuez-le! J'ai l'idole d'or des pilleurs, alors c'est sûrement pas toi qui va me la voler. Je vous demande pardon, je me rends. Ne me tirez pas dessus, pitié. Te tirer dessus? C'est pas un pistolet, ça. C'est un... J'ai réussi, et maintenant, à moi la vie éternelle. L'éternité attendra. Cette fois, j'en ai assez. Fini de jouer, crade. Tu me fais pas peur, Max mort de rire. Comme tu voudras. Au secours! Hein? Au secours! Un café, monsieur? Oh, mais c'est Crade, le sauveur!
chemin, ce qui soit déjà mort. C'est à moi, ça. Face à mon nouvel ami. Donne-moi ça, Crade. Dans tes rêves, Mordon. Ce soir au menu, purée de cloporte. Tu ne te dresseras plus contre moi. Cette fois, c'est fini, le poseur de briques. Je vais t'écraser comme un insecte. Aidez-moi. Adieu. Installez-vous confortablement et regardez. Je sens la vie jaillir en moi. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu pensais être immortel, mais pas de cette façon-là. Voilà le prix à payer pour avoir la vie éternelle, Max Monologue. Non! Non! Non, c'est impossible! Sarah! Aide-moi! Ne t'approche pas de moi! T'en fais pas! Tu sais que t'as encore mimi pour une momie. Je suis sûre que tu vas te faire plein d'amis. Non! Il y a forcément un antidote, un moyen de revenir en arrière! Non, il n'y en a aucun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la momie est toujours en vie. Une momie ne peut pas être en vie. C'est totalement contradictoire. Ah, génial. Encore une qui a un problème avec les momies. Non à la momiephobie! Oui à l'amour! Amenez-moi Morpion. Non, n'y songe même pas, Crade. Mon nom est Tad. Vous comptez faire quoi, le tuer? Je sais pas si c'est possible, techniquement. Partout les Incas, alors ce n'était pas qu'une légende. Le trésor existe. Enfermez-le dans le cachot le plus sombre. Tu vas voir comme c'est cool, la prison éternelle. La quoi? Non! Non! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous n'avez pas le droit. Je suis Max Morton, le plus grand explorateur télévisé de tous les temps. Non! 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 Mais nous, maintenant, qu'est-ce que vous allez nous faire? Le règlement est très clair sur ce point. Ou vous êtes transformé en momie, ou vous mourrez. Eh, hey, dites donc, je vous ai sauvé la vie. Le règlement, c'est le règlement. Si je vous laisse rentrer chez vous, qu'est-ce qui nous garantit que vous nous laisserez vivre en paix? Je n'ai pas de trésor plus précieux que celui-là. Ça appartenait à mon père. Prenez-le, s'il vous plaît. Je promets que jamais qui que ce soit n'entendra parler de cet endroit.
Prenez-en soin. J'ai jamais vu des mortels aussi gentils, tout plein. Bon, je crois que c'est l'heure des adieux. Profitez bien de la vie. Vous aussi? Enfin, je... Oui. Enfin, on se comprend. Je me suis fait tondre par un perroquet muet. Ça doit être maudit. Mais restez plus rien. C'est la ruine. Y a pas que l'argent qui compte. Eh ben revenez me le dire quand j'en aurai. Allez, viens là, mon chien. Vous êtes revenus, je ne crois pas. Et vous êtes vivants. Mais ils sont passés où alors, les méchants? Ils ont disparu. Et nous, on n'a rien trouvé. C'est la fin de l'aventure. Et les trésors alors? Et l'idole en or? J'ai bien peur que la légende de Paititi demeure une légende. Et ce, pendant très longtemps. Alors on a fait tout ça pour rien? On va même pas avoir la fortune et la gloire. La fortune et la gloire, c'est pas le plus important. Il y a bien mieux que ça dans la vie. Ce qui compte le plus, c'est d'être entouré par les gens qu'on aime. Bla 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 bla, tout ça c'est des phrases. Et comment tu l'expliques, moi? À ma famille qui s'est fait 12 000 km et tout ça pour vendre un grappin Swiss Made in China, hein? Hey, j'y tenais, moi, ce grappin. Hein? Sarah, est-ce que ça va? Oui, ça va. La cité perdue demeurera perdue. Mais nous avons découvert quelque chose de bien plus fort. Je suis vraiment désolé pour Max. Ça va pas être évident pour toi de trouver un nouveau héros? J'en ai déjà trouvé un. Ah oui? Sérieux? Il s'appelle Stones. Tad Stones. Je suis dingue de toi. Moi aussi, je suis dingue de toi.